Et dis donc Internet, cette semaine, j'ai décidé de parler du journaliste là sur BFM TV, je sais pas si vous avez vu Romain Caillet. En gros, BFM TV a embauché un consultant spécialisé dans le djihad et en fait il s'avère qu'il est fiché S. En gros, ça veut dire qu'il y a un risque de sécurité nationale. Ils ont dû être bien chez BFM. Qui c'est qui a embauché ce mec là, hein, hein? C'est moi? Oui, bah faut pas le faire, d'accord? Et en même temps, je me dis, pour une fois qu'un journaliste maîtrise vraiment son sujet, c'est lui qui s'y connaît le mieux sur l'état islamique en France. Quand t'as un reportage à faire sur Daesh, évidemment tu vas l'appeler lui, tu vas pas appeler une astrologue. Alors le véritable problème de Daesh en France, c'est qu'ils ont leur lune en Verseau. Et bah oui, bah du coup c'est quoi le problème? Et bah ils aiment bien les vierges. Et en même temps, quand tu regardes sa fiche, bah il la mérite un peu. Il a étudié à l'Institut Cordoba, qui est plus une ruche à endoctrinement qu'une formation classique, on va dire. Il a habité au Caire, dans un quartier qui était très peuplé par des islamistes radicaux. Il est même intervenu sur des forums dans lesquels il s'est prononcé pour le djihad. Donc c'est un moment, tu regardes le truc, tu vas ah ouais, c'est vrai. Il est peut-être un peu trop renseigné comme journaliste. Et après, tu te rends compte que depuis 2007, il a changé de position radicalement parce qu'il est complètement devenu anti-djihad. Il a même milité sur Internet en disant qu'il était pas d'accord. Et moi, le truc qui me fait marrer là-dedans, c'est d'imaginer les djihadistes, c'est qui eux le voient partir. C'est-à-dire qu'il a fait toute la formation et à la fin, le mec, pff, voilà. Et juste la gueule, bon, on a ton bulletin, là, du deuxième trimestre, Romain. Autant sur le premier trimestre, t'étais bien, t'étais un parfait petit terroriste, et sur le deuxième trimestre, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et t'as l'autre en face, ben, j'ai lu le Coran. On ne lit pas le Coran, enfin! Il a lu le Coran, ce que... Et évidemment, du coup, il s'est fait virer par BFM. Quoi. Et BFM, ils ont expliqué. Hein. Ben, nous, en fait, c'est juste qu'ils nous avaient pas dit tout ce qu'ils faisaient avant. Tu m'étonnes. Ben, c'est pas le genre de truc que tu mets dans un CV. Nom Gaillet, prénom Romain, hobby, pétanque, escalade et djihad. Voilà. Le mec, il passe un entretien pour devenir le consultant sur le djihadisme. Il va pas rentrer en faisant hey, « Hey, je connais bien, hey, j'ai fait jusqu'à 2007 !» Remarque, ça pourrait marcher en France. On sait pas. Des fois, il y a des ministres du budget, ils font « Hey, je sais où mettre ma thune, je suis au Panama hey, !» Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous tous les mardis à 18h sur YouTube et un grand merci à vous. Putain, j'arrive pas à retrouver le mot, c'est un mot con. Hein. Quand vous allez le retrouver, vous allez faire « Ah, ok, d'accord. » Eh ben, il a l'air malin, Patrick Fiori, c'est bien. Ouais, non, c'est pas ça. Mais merci, c'est très gentil. C'est un bon domaine. Ouais, bah en fait, c'est pas cette idée-là. Du coup, on peut toujours creuser là-dedans, mais c'est pas ça. Putain, c'est pas compliqué, t'as les trucs qu'on passe à la télé dans les... Un reportage, wouhou.